On est 20% sûr. Super. Ok. Si avec nous, son père qui les a, qui lui a accompagné. C'est pas grave. Merci. Merci. Allez, s'il te plaît. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo témoignage de notre patient qui a effectué sa rhinoplastie il y a 5 jours. Donc bien sûr, elle est accompagnée de son père qui lui a accompagné durant tout son séjour médical. Bonjour monsieur Jawed. Bonjour. Bonjour monsieur Houssine. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va super bien. Vous allez bien? Ça s'est bien passé. Franchement, je me sens vraiment super bien. L'opération s'est vraiment super bien passée. Je ressens déjà moins de douleur au niveau du nez depuis l'opération. Ouais. Mon nez, il est toujours un peu gonflé, mais autrement dit, j'ai moins de douleur et ça, c'est déjà bien. Et j'ai aussi eu une greffe de cartilage. Ouais. Pour parler des détails, avant, je voulais tout d'abord savoir comment vous avez trouvé l'établissement, comment vous avez décidé de faire cette opération, comment vous avez réfléchi à faire ça, comment vous avez trouvé Esthetic Air Turkey. Alors, tout simplement sur internet, je me baladais tout simplement sur internet, rhinoplastie, Turquie, et je suis tombé sur Esthetic Turkey et j'ai vraiment vu l'aîné, comment ils étaient, et j'ai bien aimé. Les résultats. Voilà, les résultats, ils étaient vraiment satisfaisants. Et je vous ai contacté, et après je suis tombé sur vous et j'ai apprécié comment c'était. J'ai apprécié la conversation, c'était vraiment bien. Et après, j'ai décidé de m'engager, de venir en Turquie pour me faire opérer. Et je ne regrette rien du tout. Je suis vraiment très content. Très bien, parfait. Et pour vous, monsieur, quand votre fils vous a dit qu'il comptait faire une opération en Turquie, vous n'aviez pas eu peur au début? Comment c'était votre... Est-ce que vous avez directement accepté l'idée ou bien vous avez un petit peu des doutes? Non, je n'ai pas eu peur, mais... Je l'ai conseillé de prendre un ORL spécialiste uniquement dans les nez. Ouais. Je lui ai dit, tu prends un médecin spécialiste qui fait que les nez, rien que les nez. Voilà. Et à ce moment-là, je lui ai dit, oui, tu peux t'engager. Oui, exactement. C'est pour ça qu'il nous a demandé plusieurs questions avant de choisir l'établissement. Il m'a aussi demandé des questions depuis combien de temps le médecin effectue des rhinoplasties, etc. Super, très bien. Et donc au jour d'aujourd'hui, je peux savoir si vous avez encore des douleurs, par exemple, après l'opération? Non. Franchement, j'ai aucune douleur au niveau du nez. Ouais. Je ressens juste des petits chatouillements, je ressens que c'est un peu gonflé. C'est normal. Mais voilà, vraiment des petits picotements, mais je n'ai pas de douleur. Parfait. Vraiment, je n'ai pas de douleur. Super. Vous avez déjà, j'imagine bien que le chirurgien vous a déjà montré le résultat, parce exactement. Que là, vous avez le nez gonflé, mais le chirurgien vous a déjà montré le résultat au téléphone. Ouais. C'était bien ce que vous cherchiez, c'était pas ce que vous cherchiez? Si, c'est vraiment ce que je recherchais au niveau du nez. Il a bien raccourci sur le côté, j'ai plus la bosse que j'avais. Et il me l'a aussi remis droit parce que j'avais une légère déviation nasale, donc il me l'a remis droit et c'est vraiment bien. J'ai vu les photos de face et de côté, je suis vraiment satisfait. Bah, très bien, super. Très content. Très content. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience à l'hôpital, comment c'était, les conditions d'hygiène, par exemple, parce que chacun a son avis, bien sûr. C'est vous les clients, c'est vous les patients, donc c'est à vous de nous dire, par exemple, ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié, ainsi de suite. Ouais, j'ai apprécié l'établissement, il est très grand, il est très spacieux. Les infirmiers, les infirmières, ils étaient vraiment super gentils avec moi, ils étaient là, ils me mettaient les pansements, les glaçons, ils me ramenaient à manger, ça s'est vraiment super bien passé, j'ai apprécié l'établissement et franchement, nickel. Hein. Ok, super. Et tout ce qui est hygiène, c'est vraiment très hygiénique, vraiment rien à dire. Oui, parce qu'il y en a beaucoup de gens en fait, surtout les Français ou bien les Belges ou bien les Suisses, ils ont un petit peu quand même peur de venir en Turquie parce que ce qu'ils disent, ils ont peur de ne pas avoir de bonnes conditions d'hygiène, ils ont peur d'être surpris d'une réalité qui n'est pas en fait, qui n'est pas la même réalité qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, donc je tenais à faire cette vidéo avec vous parce que j'aimerais bien que, parce que directement quand le patient parle lui-même, quand il s'adresse aux autres patients, c'est plus rassurant que nous on dit, par exemple, parce que nous on est là, peut-être qu'on voit des trucs, peut-être que vous voyez nous ne voyons pas ainsi de suite. Donc très bien, ok, super. Donc pour vous monsieur, comment
Moi je dirais que c'est un petit peu normal parce que quand on vient sur un terrain qu'on ne connaît pas, on vient à l'étranger. Ouais. Donc on n'est pas du pays, donc on ne sait pas comment ça va se passer. Ouais, mais exactement. Une fois qu'on est sur place, à ce moment-là, on voit que les gens sont très accueillants. Ouais. Et on voit que on est quand même en sécurité. Ouais. C'était super. Je dirais que c'est correct et puis. Oui, quand même vous avez eu le temps de sortir et tout. Donc exactement. Donc vous êtes rencontré avec les gens en fait dehors et tout. C'était et sympa. Puis, pour la langue et tout, il n'y a pas de souci. On arrive à se comprendre avec les taxis, tout ça. Ouais, oui. Et puis on peut utiliser le téléphone. Hein. Sur le téléphone, il y a un mode qui s'appelle. Traduction Google. La traduction Google, à ce moment-là, vous avez la traduction, vous mettez. Vous tapez en français, ouais, puis ça sera automatiquement en anglais. Oui, exactement. Oui, c'est très important. Ici, hein. Il y a des gens qui ne le savent pas, mais voilà. Exactement. Parce que déjà, en Turquie, ils sont ouverts sur toutes les cultures. Ça veut dire que même s'ils ne parlent pas votre langue, vous pouvez utiliser le traducteur et ils peuvent vous aider. Je tiens à vous dire aussi que le monsieur va aussi faire une opération ici 3 mois. Donc, quand il a vu le résultat et l'expérience de son fils, il a apprécié. Tout à fait, oui. Et il m'a demandé de faire une consultation pour une opération pour lui aussi. C'est ce que j'ai fait, voilà. Et puis, j'ai l'intention de faire mon opération à partir de début avril. Ouais. Voilà, pour avoir un nouveau-né et un joli nez. Exactement. Là, un dernier mot, je voulais que vous me dites ce que vous pensez du chirurgien. Alors franchement, le chirurgien, je le trouve vraiment très calme, très apaisant. Ça se voit que c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Ouais. Il sait ce qu'il va te faire et il te met en confiance. Et ça, j'ai aimé. Ouais, il te met en confiance. Je sais pas, il y a quelque chose que j'aime bien chez lui. Ouais, exactement. Vraiment, rien à dire. Franchement, le chirurgien au top. Il vous a donné largement le temps pour la consultation et tout. Toutes les consultations que j'ai faites à l'hôpital. Il m'a montré comment ça allait se passer, il m'a tout dit. La simulation. Et il m'a fait la simulation aussi de mon nez. Et c'était nickel, il a vraiment reproduit la même chose qu'il m'a montré. Super, très bien. Bah, je suis contente pour vous. Je suis contente que vous avez passé une très très bonne expérience parce que pour moi aussi c'est très important parce que quand on parle aux gens, on essaie de leur rassurer le maximum possible. Bien mais sûr. On aimerait bien que même sur place, ils auront une bonne expérience quand ils peuvent nous recommander à d'autres gens ainsi de suite parce que c'est très important. Vous voulez dire quelque chose? Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a une assistante qui est super, qui est très très bien, super. Qui est gentille. Et on a encore un deuxième assistant qui est juste derrière la caméra, qui est aussi super sympa, très gentil. Ouais. Et super. On s'est très très bien compris dès le départ et puis ils nous ont tout de suite mis en confiance. Exactement. Je vous remercie. Donc il n'y a aucun souci. C'est nous qui vous remercions. Je vous remercie et je vous dis peut-être à bientôt pour votre opération. Exactement. Ou bien peut-être même pour des vacances ou quoi que ce soit. Donc notre conversation va terminer ici, notre vidéo va s'arrêter ici. On va vous laisser, bien sûr, on va vous laisser les photos avant-après du résultat du patient. Comme ça, vous aurez une idée de ce que ça a donné son opération. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Bientôt.